C'est culture Niger, c'est le taekwondo, donc nous allons forcément parler de Abdelrazak Issoufou Alfaga. Abdelrazak Issoufou Alfaga. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Abdelrazak Issoufou Alfaga est un taekwondoïste international nigérien, né le 26 décembre 1994 à Niamey, la capitale du Niger. Il a commencé le taekwondo dès l'âge de 6 ans. Sa pratique est interrompue par la volonté de sa famille, mais il était revenu alors qu'il vivait à l'étranger. De retour au Niger en 2005, il s'entraînait à Niamey et est sacré champion national à plusieurs reprises. Mais ses exploits ne s'arrêtent pas là. Cet incroyable taekwondoïste a obtenu une médaille d'argent au championnat d'Afrique de taekwondo 2014. L'année suivante, il a remporté l'US Open, puis la médaille d'or aux Jeux africains. En 2016, il a gagné l'Open d'Égypte et l'Open de Belgique aussi. Issoufou Alfaga s'est qualifié pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro dans la catégorie de plus de 80 kg. En arrivant deuxième du tournoi africain de qualification en Agadir. C'est le premier Nigérien à participer aux épreuves de taekwondo des Jeux Olympiques. Issoufou Alfaga remporte ainsi une médaille d'argent. C'est d'ailleurs la toute deuxième médaille olympique du Niger après celle de bronze obtenue par le boxeur Issa Kadabore aux Jeux Olympiques de 1972. Issoufou Alfaga a été le porte-drapeau du Niger lors des cérémonies d'ouverture et de clôture de ces jeux. Il est sacré champion du monde de plus de 87 kg le 29 juin 2017 et est médaillé de bronze de plus de 87 kg au championnat d'Afrique de taekwondo 2018. Encore médaillé d'or de plus de 87 kg aux Jeux africains de 2019 et au championnat d'Afrique de taekwondo 2021. Le Nigérien Abdelrazak Issoufou Alfaga, champion du monde de taekwondo, a aussi remporté dans sa catégorie le samedi 5 juin à Dakar le championnat d'Afrique de taekwondo édition 2021. Au cours des Jeux Olympiques 2021, Abdelrazak Issoufou Alfaga a été éliminé prématurément au tournoi de taekwondo. Le Nigérien était effondré après sa contre-performance. Cette contre-performance, quand bien même amère pour le champion et tout le Niger, la guerre anéantit l'abnégation du champion du Niger, car il affirma qu'il serait prêt pour les Jeux Olympiques de Paris et qu'il fera tout son possible pour illuminer le cœur des Nigériens. Hey.